Des allées entières de grands crus que ces deux hommes vont arpenter, deux grands amateurs de vin que la politique divise, François Hollande et Alain Juppé. Si le maire de Bordeaux va accueillir le chef de l'État comme il se doit, difficile de ne pas songer à 2017. Il est maire d'une ville, il accueille le président de la République. Vous connaissez des maires qui n'accueilleraient pas le président de la République ? C'est une belle affiche quand même, François Hollande, Alain Juppé, il y a une concorde. Présidentielle. Une affiche présidentielle, le mot est lâché. Oui, ces deux-là pourraient bien être les adversaires de demain dans la course à l'Élysée. Des rivaux qui partageraient par ailleurs certaines valeurs. Deux hommes d'État qui ont une certaine hauteur de vue et une certaine vision de la France. Je crois qu'on peut le dire. Ils vont se rencontrer. Je pense qu'ils peuvent discuter d'un certain nombre de choses. Alain Juppé sera-t-il le candidat des Républicains ? À gauche, pour certains, la garantie de la victoire de François Hollande porte un nom. Sarkozy. C'est notre meilleur candidat. Car pour Michel Delaunay, Alain Juppé est trop dangereux. Il éveille moins d'animosité que Sarkozy. Moi, je compte beaucoup sur ceux qui ne veulent pas de Sarkozy. Mais je suis, c'est pas un oracle politique. Et avant que l'affiche de la présidentielle se précise, il faut encore attendre quelques mois. Le temps d'une primaire promise à droite par Nicolas Sarkozy est tant espéré à gauche par certains.